Creusez, toi mère, dans les profondeurs. Je percerai votre secret et je ferai la lumière sur vos trésors enfouis. La place manquait pour la construction du niveau supérieur. Le sommet a été atteint. Les parchemins des anciens, bien sûr, les impériaux, ils se sont enfuis avec. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Ce qu'ils ont vu. Ce qu'ils pensent avoir vu. J'en connais un. Oublié. Isolé. Mais je ne peux pas aller le chercher, pauvre Septimus. Je suis devenu trop puissant. Ici. Enfin, ici. Sur ce plan, Mundus, Tamriel, à proximité relative. À l'échelle cosmique, il est tout près. Un bloc entraîne l'autre. Septimus vous donnera ce que vous désirez, mais il attend quelque chose en retour. Ceci est un chef-d'œuvre d'Ouémer. Leur savoir est caché au plus profond. Septimus brille parmi les hommes, mais ce n'est qu'un imbécile parmi les d'Ouémer. Une chance qu'ils aient transmis leur technique de lecture des parchemins des anciens. Les profondeurs de Griffe Noire en abritent un. Connaissez-vous Griffe Noire ? La cime reculée où dorment les villes d'Ouémer cache des savoirs secrets sous la terre. En profondeur, au-delà de l'obscur, le château caché, la tour d'Amzark. Alftand, le point de perforation, de l'accès premier vers les profondeurs. Traversez-le de part en part. Et vous trouverez Griffe Noire. Mais tous ne peuvent y pénétrer. Seul Septimus connaît le secret du loquet permettant de s'enfoncer dans les profondeurs mortelles. J'ai deux choses pour vous. Deux formes. L'une anguleuse, l'autre arrondie. L'arrondie pour trouver la fréquence. La musique d'Ouémer est douce et subtile. Elle ouvre leurs portes les plus complexes. Le lexique, anguleux, attend d'être gravé. Pour nous, c'est un vulgaire morceau de métal. Pour les d'Ouémer, une pleine bibliothèque de savoir, mais vide. Localisez M'Zark et son dôme céleste. Ces mécanismes liront le parchemin et inscriront le savoir qu'il renferme sur le cube. Faites confiance à Septimus. Il sait que vous pouvez trouver. Les épaisses portes d'Ouémer entendent les chants. Elles jouent une suite de notes permettant de les ouvrir. Vous n'entendez rien ? Trop bas pour vos oreilles? Regarder le monde à travers un parchemin des anciens peut endommager la vue, ou l'esprit, comme c'est arrivé à Septimus. Les d'Ouémer ont trouvé une faille, comme toujours, pour y dissimuler et y abriter leur savoir. Placez le lexique dans leur engin, et faites-y converger le savoir.
lorsque la lumière éclate, rapportez-le, et Septimus lira à nouveau. Regardez sur votre gauche un chemin. Regardez sur votre droite un autre. Mais leur difficulté est équivalente. Mais les parchemins des anciens, ils regardent à droite et à gauche dans le cours du temps. Avenir et passé ne font plus qu'un. Parfois, ils regardent même vers le haut. Que voit-il alors? Et vers le bas, c'est là que commence la folie. Oh, quelle perspicacité! Bonne question pour Septimus. Ce coffret d'Ouémer, observez-le et émerveillez-vous. Le cœur est à l'intérieur, le cœur d'un dieu, votre cœur et le mien. Mais il nous a été caché, pas par les nains, ils avaient déjà disparu. Quelqu'un d'autre, invisible, inconnu. Quelle ironie, a trouvé le cœur et a utilisé une ruse d'Ouémer pour l'y enfermer à jamais. Le parchemin donne la compréhension nécessaire à son ouverture. Car même les meilleurs mécanismes d'Ouémer ne peuvent résister à la compréhension suprême conférée par un parchemin des anciens. Joue à la hauteur.
Je sais que vous essayez de le garder rien pour vous, César. Vous essayez tout le temps de le faire. Non, il doit y avoir plus de sous-marins. Taisez-vous. D'où venez-vous ? Voilà, c'est fait. J'avais bien entendu quelque chose. Mon frère. Encore une de ces personnes à la police qui cherchent de la nourriture? Mais celle-ci n'était pas piégée avec nous. Vous avez mal choisi votre moment pour vous perdre.
Valar. Voilà. D'où venez-vous? Je n'entends plus rien, là. Yeah.
D'où venez-vous? D'où venez-vous? Y a-t-il quoi que ce soit digne d'intérêt? D'où venez-vous?
voyez ce que je vois? C'est fabuleux. Qui va là? Encore ne restons pas là. Il y a déjà eu assez de morts. Oh, bien sûr, vous voulez que je parte. Vous attendez que je tourne le dos pour vous en attribuer toute la gloire. Voilà. Une piqûre de moustique. Rien.
J'avais bien entendu quelque chose. Voilà. Qui va là? C'est le dernier parchemin. Allez, apportons-le à Dexion.